đời có ngọt bùi. Nếu ai hỏi vì sao quê hương chúng ta đồng lúa tốt, có nhớ những ngày cơ cực tối tăm ngày xưa. Quảng Bình khoan khoan hò khoan bao mến thương, khoan khoan hò khoan đã mười năm rồi quê ta bao đổi thay rồi. Khoan, đau nỗi buồn.
Vous avez demandé, posé une question sur le potentiel, n'est-ce pas, de la résistance. Je serai bref sur la question. Je vous dirai des généralités précises, ou comme vous voulez, n'est-ce pas, des précisions générales, n'est-ce pas. Eh bien, la République démocratique du Vietnam est à même absolument, n'est-ce pas, d'assurer sa défense, d'assurer la défense. Et d'écraser, n'est-ce pas, n'importe quel agresseur impérialiste. La principale force de notre armée réside dans le moral, dans l'esprit combatif du sonat et dans le soutien illimité de la population. Et puis, dans la technique. Deux facteurs. Un facteur primordial, un facteur moral. Alors nous sommes fiers, n'est-ce pas, du moral élevé de notre armée. Maintenant aussi. Mais certains pensent en Occident que vous, personnellement, continuez à inspirer la stratégie du Viet Cong. Est-ce que c'est vrai? Viet Cong, c'est... Viet Cong, vous parlez Viet Cong, c'est-à-dire... La résistance du Sud. La résistance du Sud. La résistance du Sud, n'est-ce pas, c'est la population du Sud, n'est-ce pas, qui mène la résistance, n'est-ce pas? Alors la population du Sud, n'est-ce pas, a l'expérience de 10 années de guerre contre le corps expéditionnaire français, n'est-ce pas? Alors maintenant même... certains journalistes français, n'est-ce pas, et certains hommes politiques français donnent des conseils aux Américains, n'est-ce pas, que ça, n'est-ce pas, ne sera jamais résolu par la France.